7 février, qui s'est passé exactement? Gen lè yo te wò dans la cour Port-au-Prince, particulièrement précisément dans Pétionville. Et puis, un incident qui arrivait. Nous allons expliquer nos beaucoup de ports qui s'arrivait à Jean Bessapio. 7 février, qui s'est passé dans la cour Pétionville? Bon, 7 février, même j'en ai toujours dit, les populations, on a appelé vers le Port-au-Prince pour nous manifester et pacifiquement, paisiblement, et pour nous demander départ à Ariel Henry qui, depuis plus que 31 mois, va pouvoir mettre un. Hein, et insécurité tout partout, le pays n'a pas vivre, pas l'école, pas grand-chose qui a marché dans le pays. Donc, il était supposé faire 4 mois, il y a 3 ans. Donc, nous devons faire une marche pacifique pour nous demander et pour nous retirer l'école et sous pouvoir et bien Haïti en chance. Malheureusement, et forme d'auto, et j'en dis dans la présentation. Oui, m'a dit que 7 février, même, j'ai noté pour mettre peuple là. Nous sommes là, pas au prince, et puisque nous sommes pour mettre notre là, nous sommes là pour accompagner Mounio dans un match pacifique et pour nous demander départ et premier ministre de facto Ariel Henry. Tout le monde connaît que Ariel Henry doit passer 4 mois et comme premier ministre, s'il a gagné autorité pour ça, même parce que moi-même, quoi. Que le président est en balle tout papier pour le déballe, pour le remplacer. Bon, s'il prend Jean Brunel, normalement, c'est 4 mois. Donc, depuis 14 novembre 2021, Ariel Henry, son usurpateur, son vol en pouvoir. Et qu'on y a là, il y a plus que 31 mois. S'il t'a fait un bagage sérieux, peut-être peuple a été brésilien, il a gardé côté de Brunel. Mais nous, tout le monde constate. Mal pas au prince, c'est pas qui va être plein. Soit là, lui, soit grand, oui. Soit là, oui, soit Haïti. Capital la LED. Ariel Henry pas fait rien. Gang tout partout. Insécurité tout partout. Si moun baga à l'école, rien pas fonctionner. Pas de travail. Misère tout partout. Kabouel, li parle pas pour Kabouel, n'a fait tout le monde. Donc, c'est dans le cadre de ça, nous avons fait des manifestations ça, pour nous demander départ Ariel Henry et permettre que Haïtiens prennent responsabilité Haïti dans la main. Malheureusement, combattre Ariel Henry, c'est pas Ariel Henry seulement. Combattre Ariel Henry, pour faire n'importe qui ça. Puis aucun des statuts quoi, puis aucun des systèmes là. Donc c'est dans le cadre ça que. D'accord, mais Guy Philippe, d'après l'interrompre pour me dire que vous dites que c'était 7 février, c'était une manifestation pacifique pour demander départ pour le ministre Ariel Henry sous pouvoir. Mais nous t'étions dans la rue Port-au-Prince et à travers les vidéos qui ont circulé, peut-être pas forcément dans Port-au-Prince, mais de différents côtés et peut-être dans la capitale là, des hommes armés. Et c'était à Jean Bessapio, ils étaient armés. Qui vont expliquer ça, puis soit parler de manifestation pacifique pendant que des gens sont armés dans la rue. Premièrement, je dis que BESAP, c'est une organisation, c'est un bagage gouvernemental. Donc, c'est le président Jovenel qui crée, et dans la loi qui crée, il n'y a pas de ZAM. Est-ce qu'on a dit la police nationale pour le ZAM? Est-ce qu'on a dit la médaille d'Haïti pour le ZAM? C'est même gens ça, BESAP, qui a une attribution, qui a un ZAM. C'est la loi. Ce n'est pas moi, ni ou même, ni l'autre monde qui a dit qui est-ce qui a un droit ou pas un droit, sinon la loi. La loi claire sur ça. Donc, agent Bessap qui était là, et dans le cortège là, qui a assassiné, n'a pas été en machine, n'a pas été paisible, n'a pas été en quel côté que la vie en police était en danger, ou bien on était posé un risque pour la société. N'a pas été canapé vert, nous avons descendu, nous avons sécurisé la population qui a dans la rue pour manifester, et manifester tout mécontentement. Ou bien on a un policier, ou bien on a un agent Bessap, ou bien on a un militaire, mais on soit haïtien. Et si on a un cap formal, ou bien on a manifesté, ou bien on a dit, ça a formal, il faut que ça change. Nous c'est dans le cadre ça que l'agent Bessap est sorti pour aller faire position au passé. Agent Bessap, en quelque sorte, il rejoint Kozouan, il rejoint la revendication port, il rejoint les alliés ensemble avec vous, il y a un mouvement révolution quoi pour nous. Il rejoint le peuple haïtien. C'est pas moi, il rejoint, il était sous canal là, il a défendu Haïti. Les bagailles sont bons, il a défendu. Même il a été campé pour le canal là, pour le tout statu quo, tout système, n'était contre ça. Donc, si semaine ça, il a senti que revendication, que nous-mêmes, nous avons porté à y rentrer dans le sang, il a campé, il a dit oui, il faut que le pays a changé. Donc, ces citoyens, oui, ils ont une position politique, ils ont un sujet bien, une position, ils ont un sujet bien déterminé. Mais, c'est le fait est certain que les gens assassinés ont équipe monde, qui pas posé aucun danger, qui pas agressif, qui était un dans machine, d'ailleurs, tellement pas sous mode bataille, sous combat, ils ont plus que 13 non seul pick-up, donc les gens pas sous bataille. Que moun va venir excuse, faut excuse, les gens assassinés ont équipe innocent, et pour avoir un message à la population. C'est plus un message que vous voulez à la population. Et le gouvernement qui planifie tout ça, il a pensé que c'était dans la machine. Et quoi qui planifie, c'est le chef de sécurité, le premier ministre, Patrick Dorméville, Bonfrel, Tibouchon.
c'est commissaire Barizon, c'est DCPA et Franz Mathurin, c'est magistrat Pétionville là, c'est Mounsao avec ancien chef sécurité PM Laurent Lamotte, c'est Mounsao qui était planifié et financé ça fait et 7 février. Tout le monde connaît son bagage, tout le monde connaît et gain témoin, gain monde qui cap témoigner. Donc c'est ça, c'est le gouvernement qui décide d'assassiner le monde pour avoir un message clair pour dire qu'il s'agit pour nous faire. Et pour faire le plus mal, il prend des gens, il lague au non-trou, dans la fosse. Est-ce que c'est sérieux? Il prend des gens qui prennent des tout intérieur, avec tout uniforme. Donc son message, que le gouvernement sadique, le gouvernement criminel, ça, vous voyez tout ton peuple. Je tout profiter de peuple haïtien. Pas démobiliser. En quête de mobilisation, on continue. En bataille, en ouais, si nous avons déboulonné, et nous avons déboulonné. Système ça. Non seulement Ariel Henry, mais tout le monde qui a battu par Ariel Henry, il faut que vous compreniez que Haïti n'a pas fait back. Nous avons continué avec la mobilisation, nous avons avancé jusqu'à ce que Ariel Henry allait. Yo pas vin régénérer le système. Non. Pas de monde qui a retiré Ariel, vin mettre l'autre monde système encore pour continuer à craser Haïti. Ça n'a pas fait. Non, maintenant, Kounia Mamando, qui prochaine étape, 7 février, est-ce qu'on considère que 7 février, c'était un échec? C'est un monde qui dit que bon, ça peut arriver fait, ça que tu es supposé fait là, révolution, et ben, départ à Yalari, il y a encore sous pouvoir. Et avant, on répond à une question ça, qui est impression, qui feedback, ou les réactions, du moins, de discours ça, que le Premier ministre Yalari fait, côté que lui-même, il parle clairement, il dit clairement, et haut et fort que lui-même, il peut aller après l'élection, en fait, il a organisé l'élection, il peut passer en phase conseil électoral pour le faire élection dans le pays. Réaction. Ou tout est son jouet, n'est-ce pas, il y a 31 mois, il va me faire un conseil électoral. Quand il y a le tout, on transition, on va prendre place sur transition. Bon, quand il y a une autorité, ça, n'a jamais connu ce qui base légal, les campés, pour l'abdi, tout ça, l'abdi, à là. Qui est-ce qui fait le premier ministre? Où est son tweet, ambassadeur, ambassadeur, vous voyez, quoi, vous voyez, vous dites le premier ministre, le premier ministre? Donc, Ariel Henry, c'est lui qui a décidé qu'il est mandat fini. Et même lui-même, qui vous a créé conditions pour l'élection qu'il a fait, c'est lui qui a créé conditions pour l'élection par jamais fait. Mettez gang tout partout. Armé moun tout partout, prend l'argent l'État, voler l'argent l'État pour financer assassinat. Donc, nèg ça qui crée environnement ça. Quand y a c'est lui-même encore qui a dit c'est l'élection faite, l'autre monde vini, nèg ça pas jamais quitter l'élection faite. Puisque c'est lui qui contrôle toute gang, c'est lui qui contrôle toutes les autres qui a fait dans le pays, c'est lui qui a amené jeunes garçons, c'est lui qui a financé tout bagaille. Donc, est-ce qu'on pays qui a sous compte, on irresponsable comme ça, on criminel comme ça? Donc, de toute façon, lui qui a balé, lui qui a dit ça. Mais peuple là, c'est pour nous continuer avec mobilisation. Diaspora, population Haïti qui vit en Haïti, a compté en pile sur nous. Pieds nous marrés, pieds liés. Mais nous-mêmes, nous avons aidé. Les gens qui combattent, nous avons aidé dans la bataille. Donc, tant que vous plaît, tout Haïtien, pas découragé. Prends courage. Bataille la longue. D'abord, j'ai un pile longue que dépenser. Parce que les criminels sont prêts pour faire tout bagaille. Pour protéger le pouvoir. Pour protéger le statu quo. Pour protéger le système. Nous-mêmes, c'est avec la même détermination. Ça seulement, nous avons déraciné le système. Ça. Et qui prochaine étape là, puisque on a bataille ou renouveler encore ou lancer appel là pour monde mobiliser et réaliser alors permettez-moi faire remarque ça ou dit mobilisation pas parler de révolution par contre si grande différence mais qui prochaine étape là prochaine étape là il commence déjà nous même nous n'a parlé entre nous et monde qui n'a qui prend décision et pour bagaille révolution j'en dis à et révolution va camper révolution va continuer. Haïti pas un problème élection seulement, le grand problème base structure l'État pas bon. Faut que nous changions structure l'État et ça son révolution. Moi m'a un message clair by secteur international là qui a protégé des autres qui a fait là, secteur international là qui finance et protégé assassinat agent Bessapio. Oui, il y a là dedans. Oui, que pas venir faire hypocrisie hypocrite pour proposer ces démocraties. Tout le monde connaît, tout le monde ouais, tout le monde comprend. Intention yo c'était assassiner parce que yo t'ai toute information que me dans la machine ça. Mais heureusement, bon Dieu épargne la vie. Malheureusement, nous perdons un paquet de nègres, un paquet de monde important, un paquet de monde sérieux qui remet Haïti. N'a pas dit, monde qui a essayé par tous les moyens pour empêcher une révolution pacifique faite dans le pays, c'est eux-mêmes qui sont responsables que une révolution violente vienne faite. Parlant de l'international là, ou encore une fois accusé international, qui a supporté, qui a justement supporté l'assassinat, ça a été dit, qui était fait le jour 7 février, à nous parler avec le chargé d'affaires, lui-même, chargé d'affaires et département d'État en Haïti, ambassadeur Eric Strohmeyer, ouais, qui prend des positions. Et ou sous la voix d'Amérique, c'est un channel côté que vous branchez, vous regardez, vous suivez, qui message vous avez gagné pour, par exemple, pour ambassadeur Eric Strohmeyer et communauté internationale là, en général? Bon, moi, c'est que l'ambassadeur, ça, si c'était un pays sérieux, il est supposé retirer l'ambéia.
Mais j'ai un pile bagarre international, convention de Genève, de Vienne, bah, il y a un pile bagarre qui dit, mais qui sont diplomates qui ont fait dans le pays, mais qui ça qui a dit, mais qui ça va dire, il n'y a pas qu'à rentrer dans la question politique au pays. Mais diplomate ça, lui-même, il décide de faire n'importe déclaration que le vrai. Lui-même prend pour que son proconsul lié en Haïti, et il pensait que tout le monde a supposé boire ça la bière. D'ailleurs, il m'a demandé, pour qui raison il va ambassadeur encore? Pour qui raison il quitte côté le DIA là? Qui ça passe? Et pour qui raison actuellement, il pense qu'il va même, en Haïti encore, il transférer. Ça l'était fait. Ça l'était arrivé. Donc, je pense que, il était habitué tout le temps, quelques ambassadeurs, surtout gros pays, ça, il a entré bouché dans le bagage Haïti. Mais ça a suspendu. Ça a fini, ça doit finir. Il y a le temps pour Haïtiens prendre contrôle Haïti. C'est ça qui fait que le gouvernement, le gouvernement, mettez ensemble pour financer l'assassinat moi-même, Guy Philippe. Oui, il a comploté. Il a fait ça au Cap-Fait pour assassiner. Mais moi, je dis, c'est jouer à jouer, c'est rincer à rincer, mobilisation à continuer, révolution à continuer et Haïti a changé. Et pendant qu'on parle de l'international là, vous faites des accusations, hein, son accusation, ou accusé international là, ambassadeur, bon, on va dire qui paye exactement, mais ou accusé, et des membres de la communauté internationale qui voulaient assassiner. Pendant que vous perception que Guy Philippe gagnait une main internationale d'elle, et perception ça allait tomber là, dans un moment, vous pensez? Donc c'est même perception ça, que dit Guy Philippe tellement gagné blanc d'elle, il a kidnappé pendant le sénateur. Il veut faire tout le temps ça, et illégalement, il a mis le nom en prison. Donc c'est même blanc ça avec Guy Philippe qui avait qui manquait assassiner Guy Philippe. Bah ça yo pas même courir, pas même besoin parler de ça. Tout le monde connaît, faut que monde parler, faut que monde rancer, faut que monde voyer monter. Quitter voyer monter. Mais en fait est certain, pas gagne un haïtien qui saute assez pour comprendre que si Ariel Henry là toujours a fait des ordres qu'il a fait toujours, c'est parce que corps groupe là campé d'elle. C'est parce que corps groupe là a financé. Quand groupe là a supporté et quand groupe là responsable autant que Ariel Henry a criminel lio pour tout sang qui a coulé en Haïti. Sang qui a coulé dans le côté gang a fait et ça vous voulez faire, kidnapper, violer, faire tout bagaille, sang qui a coulé le gouvernement lui-même tout. Non seulement l'a volé tout ça l'état gain, mais qui a financé assassinat, qui a fait assassinat politique. C'est pour ça que ça se passe là. Est-ce qu'on a des monde qui j'aime parler de assassinat 5 agents Bissapio, vraiment vrai international là? Ou après aux gens mentionnés? Parce que vous connaissez que c'est eux responsable. C'est ça lié. Ariel Henry pas rien pour faire tout ça l'affaire. Si international la bataille. Très bien. Guy Philippe tout à l'heure, tu as parlé, ou dit que les mandos qui prochaine étape là, évidemment, ou dit que ou a fait des concertations, ou a parlé avec l'autre peut-être allié ou l'autre compatriote, camarade qui sont dans la même lutte ensemble avec vous. Est-ce que vous alliance et d'accord, peut-être pour le moment ou bien dans le futur avec l'autre parti, l'autre monde, l'autre leader politique nous t'es sous béton toujours manifestation 7 février, notamment et Petit Dessalines et ensemble avec Claude Joseph m'a parlé donc de ancien sénateur Moïse Jean-Charles et Claude Joseph gagne une alliance ou parler à Mounsayo nous ensemble, est-ce que nous avons même bataille ensemble avec nous, nous avons même camp en quelque sorte? Personnellement, moi avec le sénateur Moïse Jean-Charles, nous parlons souvent, nous parlons plusieurs fois et équipe politique nous, hein? Équipe qui a organisé, qui là, qui des révolutions, que ce soit dans l'international ou les gens qui vivent en Haïti, et nous connaissons, nous avons un mandat pour parler avec tout secteur, tout parti politique pour nous voir comment nous avons une solution à l'haïtienne pour nous sauver Haïti cette fois, pour tout. Pour les mouvements peuple encore en mêle. Même j'ai fait en 1986, même j'ai fait en 2004, même j'ai fait en 1806, tout le temps. Je déprends et voler mouvement peuple. La semaine ça, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, c'est pour nous mettre division derrière, pour nous avancer. Non seulement intérêt peuple haïtien, pour nous retirer Haïti, on fait pour tout en salier là. Bah, y'a pas qu'à continuer comme ça. Si moun ap mouri grand goût, grand moun ap kode en bas la misère, si moun bak à l'école, pas de soins de santé pour femmes, pas de soins de santé pour aucun moun en Haïti, pas de travail, jeunes nous désespérés, tout cerveau nous ap quitté pays ya. Y'a le Chili, y'a le Brésil, y'a le Saint-Domingue, y'a l'États-Unis, y'a la France, y'a le Canada, tout moun ap quitté. Qui ça? Qui a Haïti nous a gagné? Qui s'en a quitté pour petit noyau? Qui s'en a quitté pour petit noyau?